à faire de la libération de la France l'œuvre exclusive de Jeanne d'Arc. Mais avant Jeanne d'Arc, c'est vrai qu'il y avait eu l'Alliance écossaise. Des familles écossaises qui étaient venues combattre en France contre les Anglais s'étaient fixées en France. Voilà pourquoi il existe encore de nos jours, alors, beaucoup de familles en France, beaucoup de familles d'origine écossaise. It was only in 1906 that the French government officially ended, if you like, these naturalisation ties. Au sein de l'Alliance France-Écosse, lorsqu'on était une association constituée d'à peu près 82 membres adhérents, à un moment donné, on avait un bon contingent de professeurs et d'instituteurs et institutrices qui m'ont tous confirmé malheureusement la même chose, qu'il n'y avait absolument aucune leçon enseignée en France sur la vieille alliance dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. And a lot of Scots are attracted to the idea of the old alliance because it takes them into Europe. We Scots have always prided ourselves as being more European than the English are. And the links with France gives us access to that European culture and European history. It's an interesting part of our history, and it leaves us with an emotional association with the French. So much of history is in the minds of people or in the hearts of people. And I think that's where the old alliance is. For us, the history of a nation makes that nation. And so you can see the culture growing and changing because we learn from the past. We learn that sometimes fighting each other is the wrong thing. And it's better to be friends and smile and laugh and drink together. And share our humanity and how wonderful it is to be French and how wonderful it is to be Scottish. C'est partie de notre histoire, il faut qu'on vive avec, il faut qu'on respecte nos ancêtres. Ils ont combattu, ils ont donné leur vie pour notre vieille alliance franco-écossaise, pour faire vivre la France et pour faire vivre l'Écosse. There is a genuine friendship, and it's, I think, something that's based on many centuries of history. It's just that people don't necessarily realize it until you attempt to educate them.